Alors maintenant nous voici à Soulan, Saint-Pierre. C'est une petite région assez calme où là il y a un très beau château. Derrière il y a l'église assez connue de Saint-Pierre. Ici on peut capter toute la 4G, même si c'est un coin assez un peu perdu. De l'Ariège profonde, comme on peut le dire ici. Il fait assez beau, souvent très beau. Bon là, il fait pas très beau parce que c'est l'hiver. Mais c'est un village assez accueillant, tranquille. C'est en Ariège, à côté de Foix et de Saint-Girons. Il y a de très belles montagnes. Là-bas, c'est le Mont Valier. On peut voir là-bas aussi. Il y a de très très grands champs. Là, c'est l'école. Où il y a tous les enfants qui vont y étudier. Donc, il y a la 4G. Il y a une bibliothèque, il y a une office de tourisme, il y a un très très beau château habité par les descendants de l'ancien comte de l'Ariège. Il y a de très belles montagnes aussi, beaucoup de forêts. Quelques vaches. Voilà. C'est magnifique. De très belles maisons aussi. On y est bien. Il y a quelques gîtes là-bas. Là-bas, c'est un gîte. Il y a le marché tous les vendredis à Soulan, Saint-Pierre, bien sûr. Soulan, c'est la commune où il y a plein de petits villages. Il y a Saint-Pierre, Villeneuve, Ségalas, Boussan, plein d'autres. Et c'est très très accueillant. Elle sera dernière à rester debout. Si le bistrot s'effondre, si le bistrot s'effondre, le bistrot. Que prenez-vous? Il y a une fromagerie pour les friands de fromage. Voilà. On y est bien dans cette petite région.